de Fishlord 2000 est sorti il y a 2 ans. Mais il n'avait pas le GPS ni les applis pour se connecter à tous les réseaux sociaux. Et celui-là, il a tout ce qu'il faut. Parce que celui-là, c'est le dernier sorti, le Fishlord 3000. D'abord, Mouline, ton fils. J'ai carrément mis le paquet. Pourquoi? Pour Gibbs et moi, sur le lac. Non. Pourquoi vous êtes amis? Je l'ai dit, il m'a aidé à construire mon bateau. Non, ça je comprends. Non, mais ce qui m'échappe, c'est tout ce truc de détecteur de poissons hors de prix et de réseaux sociaux. Vous le connaissez, Gibbs? C'est un homme des cavernes, sans vouloir t'offenser. Trop tard. Ah, j'en fais quoi de ça? Les clés de chez moi. Faites comme chez vous. Tu veux qu'on aille s'y installer? Aucun de vous ne reste ici. Bon, ben voilà. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Fred. C'est Phil. Et ce qu'il a dit s'adressait à nous deux. Non, pas du tout, je le connais. Moi aussi, lui et moi, on a vécu des tas de trucs. Vous avez une ex-femme en commun? Non, c'est de la frime, cette histoire. C'est juste pour que vous sachiez que je le connais intimement. Oh, je vois. Vous êtes jaloux? Quoi? Oui. Non. Si. Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, vous sauriez que Gibbs a horreur de l'électronique et qu'il n'en veut pas ici. Et surtout pas de détecteur de je sais pas quoi. Et je parle même pas de téléphone. Oui, et c'est la première fois que je viens. Ben, c'est ce que je dis. Vous devriez lâcher l'affaire, Skippy. Vous avez une voiture et moi, je suis coincé ici. Bah, bougez pas, je vais vous appeler un taxi. Le réseau est toujours un peu capricieux dans le coin. Non, 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 non. C'était pas pour le plaisir, Gibbs. C'était pour une urgence. Vous aviez raison. Il a horreur de l'électronique et il en veut pas ici. Là, il est remonté contre vous. Monsieur.